C'est à Varmatin que Dominique Besnard a de nouveau fait savoir ce qu'il pensait de la bataille juridique qui oppose David Hallyday et Laura Smet à Laetitia Hallyday. La fille aînée du taulier a contesté l'héritage de son père et a porté l'affaire devant les tribunaux. Dominique Besnard a donné des nouvelles rassurantes de sa filleule ce lundi 14 mai. Elle va mieux. Son compagnon Raphaël est formidable. Elle a réalisé un court-métrage, Thomas, que j'ai produit avec ma complice Christine Gozlan. Nathalie Bayan est l'interprète. Ce tournage lui a apporté beaucoup de satisfaction, l'a véritablement boosté après la mort de son père Johnny. Ce long métrage tenait très à cœur à Laura Smet, qui s'y est investie corps et âme, et l'a beaucoup évoqué sur les réseaux sociaux. Tout le patrimoine de Johnny Hallyday revient à sa veuve Laetitia, et à leurs deux filles Jade et Joie. Laura Smet a été très affectée d'avoir été écartée, ainsi que son frère, de la succession de leur père. David Hallyday s'est porté co-demandeur de la procédure judiciaire, et n'a cessé de soutenir sa petite sœur. Il n'est d'ailleurs pas le seul, de nombreuses célébrités ayant choisi le camp des aînés. Dominique Besnard fait partie de ceux-ci et n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de la famille Boudou. Laura aurait pu avoir des rapports plus intenses avec son père. Mais la relation avec sa belle-mère Laetitia n'a jamais facilité ses relations avec Johnny. Elle a du courage pour faire son deuil car son père était une star et qu'elle n'a peut-être pas eu cette intimité profonde qu'elle aurait aimée. L'entourage, cette famille de Brandt n'a sans doute pas cédé.